34 et aujourd'hui on se retrouve pour bonjour Stram pour la suite de notre test sur les sirènes. On m'a dit en fait en commentaire qu'elles pouvaient bien mourir, mais visiblement ça ne se produit qu'à Sulani. Or pourquoi, je ne sais pas, mais on m'a dit que c'était tout à fait possible. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi cette vidéo a exceptionnellement bien marché. Pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas merci, voilà, si vous êtes arrivé grâce à cette vidéo, bienvenue, voilà. On va tout de suite partir pour essayer de faire mourir nos petits personnages, voilà. Et je vais mettre en fait des murs autour de la propriété pour qu'ils ne puissent pas aller s'hydrater, hein, bien évidemment. On va faire comme le premier test, on va faire ça bien. Hein, on va en laisser une dehors et un à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a, Saint-Boutoute? Viens, mon petit pâté. Ouais, saute. Saute. Essaye, t'as grossi. Je fais plus aucun effort, hein. Vieille morue, va. Stramout, non, tu caches l'écran, là. Oui, pour venir. Non, pour faire la fofolle. Ah, on est là. Ok. Ah, oui, c'est vrai, j'avais créé une piscine. Là, il est en train de pioncer. On va tout de suite modifier ça. Alors, voilà, t'es réveillé. La douche, le lavabo. Bonjour madame. Le lavabo. On va enlever le frigo. On va mettre des murs tout autour de cette fameuse petite bicoque. Voilà. Oh là, elle est où mon autre simsette? Attendez. Elle va rester bloquée sinon cette nuche. Viens là. Parle à Jean-Mi. J'ai oublié déjà son nom. T'appelles comment? Ken? Ah oui, c'est vrai, on avait fait Ken et Barbie. Suis-je bête? Allez, viens parler à Kenny. Voilà, c'est bon. Elle est dans le terrain. On va pouvoir les enfermer dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment. Oh, on est pauvre. Dame Ned. C'est bon, on est riche. Je vois la vieille tête de Stramout. Je plonge. Ça va? Toi aussi, t'as envie de faire des vidéos avec maman? C'est toi la star de la chaîne? Oui, ça on sait que c'est toi la star de la chaîne. Hein. Personne n'en doutait. Ah! Faire les damnations. Pourquoi là on peut pas? Groupe de blocs incompatibles. Oui mais non. Ouais, c'est bon. Ils sont bloqués! Notre phase de mort peut donc officiellement commencer. C'est méga glou de dire ça. Alors, bah tiens, la dernière fois c'était une stinguette qui était à l'extérieur. Là on va changer. Non! Ah, t'as cru que t'allais rentrer toi? Voilà, elle peut définitivement regarder par la fenêtre. Mais rien d'autre. C'est good! Lui, je vais lui mettre comme d'habitude son petit coin pour qu'il puisse faire dodo, être sur le transat et tout. On n'est pas des bêtes. Bim! Il a les toilettes. Elle, du coup, elle a pas de toilettes. Ouais, c'est dommage. On va lui mettre les toilettes dans le salon. Oups. Elle a pas de télé? Oh, elle va se faire yèche. Attendez que je rajoute la télé. Eh, mais attendez, le barbecue, tu peux manger sans avoir forcément de la flotte. Ça sera encore plus simple. Le transat! Le transat! Hop, voilà. Puis s'il se fait chier, on va lui mettre une balançoire. Parce que la balançoire, ça remontait de ouf le divertissement. Il était choqué quand j'ai découvert ça. Voilà, comme ça, elle a la télé, lui il a la balançoire. Tout le monde y est content, tout le monde y est happy. Poil au pipi. Voilà. Oh. Alors, j'en profite de vous avoir pour vous faire un petit sondage. J'aimerais bien que dans les commentaires, vous me fassiez au moins un top 3, voire un top 5, genre pour les plus foufous, un top 10, des morts que vous préférez avoir dans les Sims 4, voilà. Celles que vous avez déjà testées, celles que vous avez déjà vues, ou celles que vous avez envie de me voir tester. Faites-moi genre votre top genre 5 des morts que vous préférez avoir dans les Sims. C'est pour une prochaine vidéo, voilà. Donc j'ai besoin de toute votre attention de petite belette, voilà, de petits noobies. Pour la future vidéo, il y en aura même deux, pour rien vous cacher. Oui, je recycle un peu les... je recycle les idées, hein, j'en profite. Donc du coup, voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires, que je puisse un petit peu voir de quoi qu'il s'agit. Voilà,
Merci à tous ceux qui le feront. Des petits poutous, des petits bisous. Vous êtes des gens bien. Ah d'accord. Bah tu vas me jeter ça là, gros porc. Ça venait du fond du cœur le gros porc, hein. Je sais pas si vous l'avez senti, mais c'est le cas. Alors l'hydratation Kenou s'est bien diminuée. La Mistinguette c'est à peu près le même ratio. C'est vrai que ça descend vite quand même, hein, l'hydratation. Regardez là, on est déjà à un quart du truc. J'ai l'impression que ça descend plus vite que durant ma première vidéo. Alors est-ce que c'est moi et j'ai complètement fumé la moquette? C'est tout à fait possible. Ouais, c'est parce que c'est à Sulani. Attendez là, ça me chaîne là. Pourquoi ça dépasse comme ça? La bave de crapaud. Hop, pardon. Mes excuses, mais ça me stresse. Ah! J'étais en train de paniquer, c'est rien. C'est le volcan. Ah! Voilà. C'est un peu mieux, j'ai l'impression. Je sais pas si toi il est mieux fait que l'autre. Pourquoi il y a toujours un œil qui est mieux fait que l'autre? Ah! Mais il a failli crever. Est-ce que c'est possible de mourir? Genre, tu tombes sur la météorite. Enfin, pas une météorite, mais vous comprenez quoi. Ou est-ce que c'est fait pour que ça ne se produise pas? L'hydratation, on est déjà dans le jaune pour la miss. Mais regardez, l'hydratation, ça descend. Non, si, je me souviens pas. Je me souviens pas. Je me souviens, c'est, ça allait pas aussi vite. Dans le premier test, hein. Parce qu'on est à la Sulani, je pense, hein. Il a trop chaud? Non, écaille sèche, ça y est, ça commence. Se faire bronzer nu. Je crois que c'était Anna qui m'avait fait rire parce que je l'avais fait bronzer nu, notre Barbie. Elle avait dit en même temps avec le corps qu'elle a, elle peut se permettre. Elle m'avait tué. Ça y est, on est passé en rouge pour Kenou. Mais Barbie aussi, elle est en rouge, hein. Pourtant, elle est à l'intérieur, mais vous voyez, ça. Autant à Oasis Spring, on avait vraiment deux mesures, tu vois. Il y en a. Ken qui était à l'intérieur diminuait beaucoup, beaucoup moins vite en hydratation. Autant, vous voyez, elle, c'est le même niveau que Kenou, hein. Oh! On n'avait pas eu ça, hein. Il est en rouge, là. Il est entouré de rouge. Ah! On n'avait pas ça. Est-ce qu'on a la même chose avec la Nice? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il bronze? Ouais, on n'a rien avec elle. Pourtant, il est en rouge. Mais lui, vous voyez, il est en rouge. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en train de bronzer et cramer? Le doute est permis, hein. On est vraiment en rouge-rouge, là, hein. Il a chopé un coup de soleil. On est en rouge-rouge là. Franchement, il devrait pas tarder à mourir normalement. Hein. Écailles sèches. Il y a encore. Ken a découvert un incendie. Ah, petit doula là, ça rigole pas là. On a eu deux tremblements. Alors pourtant, Dieu sait qu'on en a pas eu tant que ça. Bah, on en a eu beaucoup là quand même. Hein. Oh. Bah, va éteindre ça. On va lui faire le foufou. Adieu les voisins. De toute façon, on va pas tarder à décéder. Ils sont dans le rouge-rouge, là. Ils devraient pas tarder à passer du côté obscur de la mort, là. Ils résistent, hein. C'est ça qui me tue, hein. Mais c'est fou, ça, regardez. Il nous reste un pixel en rouge. On m'a bien dit pourtant que c'était possible, hein. Après, il y a peut-être des mythos. Mais bon, plusieurs mythos, ça me paraît gros. Quand même. Je sais pas, ils refusent de mourir, hein. Ils s'accrochent à la vie, hein. Comme leur petite moule sur leur rocher, là. Hein. Oh, il pleut, c'est une blague. Mais non! Il a récupéré la moitié de son hydratation. Mais qui? Ah! C'est une blague! Mais non! C'est un scandale! C'est pas vrai, je suis sur Sulani. Il a dû pleuvoir trois fois quand j'avais mes autres Sims. Ah, ça me saoule. La vérité, je suis saoulée. Je suis vraiment saoulée de ouf. Mais elle meurt pas, hein! Regardez ça! Elle est au fin fond de son hydratation. J'ai l'impression qu'on m'a menti. Je vais pas vous le cacher. Je suis un peu triste. Hop, voilà. Tu pourras aller aux toilettes comme ça. Mais elle meurt pas, hein. Les gars, vous m'avez menti. Allez-y, dites-le moi, c'est pas grave. Mais il meurt pas, hein, les gars, vous m'avez menti. Hein. Parce que regardez, il a eu le temps de reprendre son hydratation et d'être au niveau en rouge et ça a rien fait. C'est-à-dire qu'elle est au même niveau, elle est toujours pas morte. Eh, hey, vous êtes moqué de moi, allez-y, dites-le moi, c'est pas très grave. Je pense qu'il y en a qui m'ont mytho. C'est pas grave, hein. Je suis un peu triste de savoir que vous êtes des personnes comme ça, mais bon, c'est tout. Il y a quand même deux fois qu'on a stabilité sentimentale sur ce test. Hein. On va encore faire deux journées Sims, et si vraiment il se passe rien, eh ben vous m'aurez menti, c'est tout. Il est compris. Je sais pas pourquoi le temps s'est arrêté, je me suis dit, ah, oh, quelqu'un qui meurt. Non, pas du tout. Mais regardez, elle meurt pas! C'est un scandale, monsieur, un scandale. Mais regardez, il n'y a plus rien là en hydratation. Il n'y a plus rien. Voilà. Là, franchement, s'il n'y en a pas un qui meurt, je ne comprends pas. Ils sont au fond, là.
Ils sont rouge plus. Il y en a qui se sont foutus de ma gueule. Yes, au festival de l'amour. On voudrait le festival de la mort, s'il vous plaît. Parce qu'on aimerait bien que nos sims se crèvent. Oh yeah, yeah. Et tous les jours le tremblement. Dans ce terrain, il est maudit, wesh. Ah, mais on est juste à côté, c'est pour ça. Il est brûlé, il pue le poisson séché, mais il n'y a rien. Et ben c'était un fail, voilà. Deuxième fail pour cette deuxième vidéo. Clairement, il y en a qui se sont foutus de ma gueule. Hein. C'était sûrement pas de déshydratation que vos sims sont morts. Peut-être d'autres choses, mais pas de déshydratation, les enfants. Du coup, on est tous déçus une seconde fois encore. Hein. Je suis désolée, moi aussi j'espérais très fortement que ça fonctionne. Mais bon, que voulez-vous, il y a des menteurs partout. Hein. On en a eu la preuve aujourd'hui. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Merci pour tous ceux qui ont liké, qui ont commenté pour m'aider pour les prochaines vidéos. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!